Là, bonjour à tous, c'est Zelda 24 pour une nouvelle vidéo sur Ace Combat Infinity. Donc comme vous voyez, Ace Combat Infinity arrive à la fin, bientôt le jeu s'arrêtera quand nous serons au mois de mars. Et pour cette occasion, Namco a augmenté de manière permanente le kérosène au max à 6 unités. Cette augmentation restera effective pendant 94 jours, 21 heures, 43 minutes et 10 secondes. Il faut savoir que là, voilà, nous avons quelques défis. Alors voilà les défis. Frénésie à la mitrailleuse, le gun pour détruire 80 cibles, 50 000, pilote dévoué, partez 6 fois en 24 heures. Bon sang, je n'ai plus de carburant. L'as des as, participez à un match amoureux en équipe et qualifiez-vous premier au score pendant 10 fois. Cible prioritaire, participez à un match à mort et abattez le joueur avec le plus haut score 15 fois. Bonus spécial, gagner plus de. Alors là, faut être sûr. 1000. Je vois, c'est 1000. Millions. C'est plus de 10 millions de crédits. Gagner un total de plus de 10 millions de crédits, si je me trompe pas. Ouais, c'est ça, 10 millions de crédits. Message radio, continuez, commencez à réfléchir et vous à ce que vous ferez de votre récompense. C'est pas faux. Utiliser les QM près de 50 types, ça c'est ancien, voilà. Donc nous avons quelques défis, voilà, pour finir cette année. Et donc voilà, les défis classiques. Donc à vous de voir maintenant ce que vous préférez réaliser comme défi pour les 10 millions. Alors bon, pour les 10 millions, si c'est effectivement 10, ça ne devrait pas vous poser trop de problèmes si vous jouez... En x1, parce qu'en gros, ce que je vous conseille, c'est de jouer en x1, de faire 3 parties, et si un raid ne tombe pas, ben, vous faites une dernière partie en x3. Voilà, comme ça vous permet d'économiser votre carburant. Vous ferez 4 parties par jour. Donc voilà. Ensuite, si vous avez beaucoup de carburant, vous pouvez aussi faire les matchs à mort. Voilà. En chasse match à mort. Voilà, ça ne tiendra pas compte pour les événements de classement. Voilà, c'est ce qu'ils vous disent. Que on joue pour le fun. Après, bon, je suis assez surpris parce que c'est Sekiro, mais je ne vois pas de. Je ne vois pas de bonus de carburant, je trouve ça dommage, mais bon, nous ferons avec. Alors peut-être que quand tous les événements seront terminés, mais bon. Bon, c'est tout pour cette vidéo. Donc voilà, je me répète, si vous n'avez pas beaucoup de carburant, faites des fois un en mode coopération en ligne et priez pour tomber sur un raid. Et une fois que vous tombez sur un raid, misez un x6. Ou alors, si voilà, si vous avez envie de dégommer des ennemis, ben, allez en match à mort par équipe. Ah oui, là, apparemment, là, l'avantage, c'est qu'on peut choisir ce qu'on veut. Combat score, naval, anneau. Mais que ça ne compte pas. C'est-à-dire, vous n'avez pas de. Car vous n'avez pas de. Vous n'avez pas de bonus de kérosène, comme précédemment. Bon, ben, merci d'avoir suivi cette vidéo de The Leader 24, et je vous souhaite bonne chance dans les airs.